Ici, c'est complètement fou, en fait. Hein. Ils ont monté un projet, c'est un budget de plus d'un million d'euros qu'ils ont monté il y a 4 ans. Je pense que personne n'y croyait, tellement ça paraissait un peu fou quand ils se sont lancés. Et puis, ils ont réussi à faire venir des équipes du monde entier, à avoir ce moment de partage complètement fou. Ils ont réussi à boucler l'événement. Il y a donc 40 équipes, 22 de garçons et 18 de filles. Les 5 continents sont représentés. Il y a 13 langues, 4 alphabets, 20 nations. Ça fait 522 enfants, je crois. Ça fait aussi 300 bénévoles actifs tous les jours et à peu près 600 sur l'ensemble de l'événement qui dure 6 jours, donc du 2 au 7 septembre. Le tournoi de Pont-le-Voix, c'est extraordinaire. C'est l'occasion de faire connaître à notre club aussi le rugby dans le Loir-et-Cher. Cette institution, ce lieu magnifique, ça fait 2 ans de suite qu'on fait des séminaires. On reconnaît bien et le projet de rassembler autant de jeunes qui viennent de tous les pays, c'est juste un truc, on a une chance incroyable que ça se passe chez nous. On n'est pas du tout dans le schéma de l'excellence rugbystique, qui est quelque chose qui est merveilleux et qu'il faut avoir. On est dans comment le rugby peut aider des gamins à devenir des personnes peut-être meilleures. Je ne serais pas l'homme que je suis maintenant si je n'avais pas été dans le rugby. Donc c'est forcément formateur, on apprend forcément des valeurs, on rencontre des gens incroyables, on vit des choses incroyables. C'est peut-être dans tous les sports, mais moi je serais persuadé que le respect, la solidarité, c'est très important. Et nous, on est beaucoup de clubs ruraux, il y a même des campagnes, alors ça me fait marrer, il y a vachement de campagnes pour des collectivités qui relancent des épiceries de village et tout. Et nous, on veut essayer de rebâtir des petits clubs, rebâtir des endroits où on garde les enfants dans les villages et on les fait vivre par cette passion, quoi. C'est une absolue priorité de la fédération et des ligues régionales, c'est de réinvestir le monde scolaire. On est le 2e sport en France en termes de médiatisation, on n'est que le 10e en nombre de licenciés. Et donc cette Coupe du Monde doit être l'occasion de plus travailler le monde scolaire, de plus investir dans le monde scolaire, de mettre l'accent sur ce qu'apportent les clubs avec cette dimension éducative et citoyenne en plus de la dimension sportive. Et moi, j'essaye d'aller un peu partout en France pour dire cette bonne parole, mais voir aussi beaucoup les collectivités, qu'elles comprennent que notre enjeu n'est pas qu'un enjeu sportif. On peut contribuer à transformer un petit peu la société avec la dimension éducative, en apprenant ces règles du respect, de la loyauté, de la solidarité qui sont indispensables au bien vivre ensemble. Et ça, c'est le rugby qui porte ça en lui. Et je veux que les collectivités comprennent ça et puis qu'elles n'abandonnent pas les clubs du point de vue des subventions qu'elles peuvent leur accorder. Parce que quand on comprend ça, on comprend mais qu'il faut investir dans le rugby et pas désinvestir. J'adorerais que ce tournoi puisse non pas perdurer dans sa dimension internationale, mais au moins dans sa dimension nationale. Enfin, une abbaye de ce type-là, c'est un lieu de mémoire, un lieu formidable. Et donc, dans l'héritage, il y a déjà un club de rugby qui est en train de se créer ici, puisqu'il y a des installations qui ont été faites pour l'événement. Voilà, c'est formidable de le faire comme ça. On va faire une œuvre collective qu'on va afficher dans l'abbaye et que dans 50 ans, certains d'entre eux reviennent en disant « Mais moi, j'ai fait ce petit bout de l'œuvre et que leurs petits-enfants et ainsi de suite. » C'est cette notion d'histoire, ça s'appelle la coupe de l'héritage. Pour moi, c'est très important, cette transmission, cette notion de transmission. Qu'est-ce qu'on donne aux enfants et qu'est-ce qu'eux aussi donnent ?